bienvenue dans ce premier épisode de saison 3 de la vie trépidante d'un petit ours. Alors, je sais que cet épisode a mis un peu de temps à venir, parce que j'ai eu des soucis avec les compilations des modes et tout ça, entre les modes qui voulaient pas agir ensemble et ceux qui voulaient pas... ceux qui voulaient pas agir ensemble, ceux qui voulaient pas fonctionner, le lag et tout ça. Bon, j'ai une config pourrie, ça tout le monde l'a remarqué depuis un moment. Donc dans cette saison, qu'est-ce qui change? Bah déjà en premier le skin. Alors je sais pas si je l'avais déjà montré dans la vidéo de présentation. Pas de graines. Ça m'énerve. Comme vous pouvez le remarquer, je me suis vidé l'inventaire pour recommencer à zéro. C'est quoi, c'est une faille? Non, c'est pas une faille. D'accord. Donc, attendez, je vais me mettre sur le bord. Il y a des modes dans cette saison. Donc, je sais plus si dans les saisons précédentes, j'en avais déjà mis des modes comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est assez simple. Ah bah, ça commence bien. Vous voyez, vu que la nouvelle génération a fait plus ou moins une délimitation naturelle extra-plat du... J'allais dire du biome, oui, plus ou moins. Ah, j'ai pas mis le chrono, une seconde. Bon, cet épisode sera un tout petit peu plus long. Alors, vous voyez, hop, c'est très plat. Bon, pas partout, mais on va considérer ça comme une limite à ne pas franchir, c'est-à-dire le mouton. Je pourrais l'attirer dans cette partie, mais moi, je n'aurais pas... J'en aurais pas le droit d'y aller. Ça marche aussi pour aller récupérer les ressources là-bas, parce que ça serait un peu trop simple. Il suffirait que j'aille dans mes anciennes maisons pour aller chercher du matériel, et puis ça aurait pas d'intérêt. Donc on a déjà une jungle au loin. Alors je garantis pas que la génération est parfaite, hein. C'est particulier, quoi. Un désert dans un canyon. Oui, pourquoi pas, oui. Oui, bah, il faut des outils d'abord. En premier, des outils. Alors j'ai des modes. Alors, pour faire la liste des modes, d'accord, je peux pas comme ça. Je pense que je... Oh, j'ai plein de vaches là-bas. Parce que j'avais un petit peu découvert avec vous dans la vidéo présentation, mais... Bien sûr. Ok. Il y a des trucs bizarres quand même. Donc il me faut déjà du bois pour commencer. Donc oui, alors les modes. J'ai Inventory Twix. Je sais plus si ça peut pas, oui, Inventory Twix. Là, ok. J'ai tout mini item. Ça va me servir pour... je crois pas que c'est tout mini item qu'il me faut pour regarder les crafts. Je crois que c'est no item, je sais plus quoi. J'en vérifierai après cet épisode. Alors, celui-là, j'ai quoi d'autre comme mode? Je crois qu'il y en a 4-5, j'en ai mis. Ouais, du bois. Alors, je sais plus si ça le fait à chaque fois, mais... On va rigoler. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai réglé pour qu'il me range derrière l'inventaire. Pour éviter que, ça me pourrisse ma barre.
Hop. Alors, j'ai du bois. On va commencer par faire un 5. Hop. Une table de craft. On va éviter d'en faire 50 d'un coup. Voilà, au travail. Alors, la maison. C'est dans la grotte là-bas. C'est moi où il fait déjà nuit. Oui, la nuit approche. Youpi. Alors, j'avais commencé à midi. Il faut des champs. Ah, cette zone-là, ça pourrait être sympa quand j'aurais viré tout. Faire des champs. Ouais, première graine. J'allais dire tuyau, mais elle doit être dans mon inventaire. Deux graines. En parlant de mode, donc je sais pas si dans le premier épisode, je vais réussir à faire... mes premiers crafts des modes. Alors, j'ai mis un mode, je pense, qui est peu connu, je sais plus le à l'abri. Voilà. À l'abri dans une grotte sombre. Mode option. Non. Je sais plus c'est où que je vois les modes. Bon bah je vous referai la liste. Donc c'est un mode qui va m'aider à bien commencer sur Minecraft. Parce que techniquement, ça va miner pour moi en lui fournissant quand même le matériel. C'est-à-dire je lui fournis les pioches, de quoi alimenter ma machine et tout. Ça va miner pour moi. J'ai une machine qui va faire du bois pour moi, une machine qui va cultiver pour moi. Donc ça va être beaucoup plus simple pour faire l'aventure. Parce que j'aurai juste à me servir dans les coffres pour manger. Manger, faire mes crafts et tout. Donc, on va commencer. Ouais, on va pas aller tout au fond. Oh, quoi que. On va déjà tout au fond. La mine. Enfin, la grotte. Voilà. Hop, on va se mettre ici. Hop, on va commencer à crafter nos trucs. Alors, je sais qu'il me faut des bûches. Pour commencer, donc on va commencer à faire une hache en bois. Hop. Ouh, oui. Que va-t-on faire d'autre? Une épée. Oui. En maison. Là, je m'en sers pas pour l'instant, il faut une pioche. Voilà, bonne pioche. Un lit. Et pas gagné du charbon. Donc, alors, pour commencer, c'est des outils en bois. Hein. Et ça, les outils en bois, enfin, les machines, je vais pouvoir les, au fur et à mesure de l'aventure, les améliorer, c'est-à-dire je vais passer, on va commencer déjà par les machines en bois, un peu comme les outils, après on va passer à une machine en pierre, une machine en fer, en diamant, et je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'en fait dans le mode là, j'ai pas, il n'y a pas eu la mise à jour dans la version du mode pour avoir celle en, je vais dire en obsidienne. Oui, mais il y a aussi comment ça s'appelle la émeraude, voilà. Et oui, il manque celle en obsidienne. Qui est overcheatée, quoi. Parce que on mine presque à l'infini, quoi. On a presque plus besoin de la... Oula. Lag. De merde, j'ai pas de lit, j'ai rien. Je viens de penser à un truc. Je crois que vous allez me taper.
Je me disais aussi, c'était un peu trop calme. Ça manquait un petit peu de gens en fait. Je me sentais un petit peu tout seul quand Bon, on va dire que pour cette fois, c'était la première nuit, on va dire que c'est exceptionnel, voilà. Bref, pour l'instant, je fais pas grand-chose. Alors, bon, bah, on va commencer à animer. Je suis en train de me demander, pour celle en pierre, il faut des blocs, de la cobble, ou bien c'est des blocs de pierre lisse, enfin de pierre lisse de roche. Je sais que pour le bois, il faut des bûches. On va commencer. Là, musique, météo, on va la virer. Voilà. Je regarde. Quand je marche, c'est bon. Quand je mine. Voilà. Je me disais aussi que si je mets pas le son, je vais ne pas entendre les gros méchants qui font pchit. Savez pas c'est quoi le gros méchant qui fait pchit? Reportez-vous à mes anciennes vidéos. Il est vert, il a quatre pattes et il ninja loot à chaque fois. C'est quoi? C'est un zombie là-bas. La première nuit est un peu difficile. Ah oui, j'ai pas de quoi faire une pelle. Ah oui, je sais plus. Alors, la table de crabe, je l'ai. Ah oui, j'ai pas regardé. Je crois qu'il me faut de la redstone pour commencer. Pour crafter le cœur énergétique qui permet de commencer les machines à craft. Il y a aussi une machine que je ne sais pas encore comment elle fonctionne. C'est un générateur, ça me permet sûrement d'alimenter mes machines. Mais dans mes tests, je n'ai pas encore trouvé comment cela fonctionne. C'est pas déjà un bon jeu. Ce premier épisode, on va un petit peu tourner en rond quand même. Je vais essayer d'éviter de tourner en rond, mais... Bon, allez. On peut y aller. Oh, un Enderman. Bien sûr. Si je tape pas les montres. Ça y est, je vois que le soleil se lève. Je vois l'Enderman au bout. Premier monstre. Je vois. Faut des araignées aussi. Je veux faire mon premier lit. Enfin, le premier, mon lit. C'est pratique ce petit lac devant chez moi pour empêcher les monstres d'approcher rapidement. Oh.
Cette nourriture pour commencer. Une araignée. Petite araignée. Un fil. Je crois pas que j'ai mis farmer à animaux pour l'instant. Je crois pas avoir mis de mode farmer les animaux. Je sais plus, il faudra que je revérifie, mais pour avoir les chronotypers et tout ça pour les faire reproduire tout seul les animaux. Enfin, un chronotyper, est-ce que j'aurais besoin d'un chronotyper? Pas réellement. Le chronotyper permet de faire la détection des animaux. Alors. Ah, pas être empoisonné. En les vaches c'est cool. Il faut ma hache. On va déjà mettre non, ça pour l'instant ça sert pas. On va pas s'en servir. Ah. Hop, là, je monte. Bon, sur ce. Hop, je vais me mettre à l'abri avant. Hop, parce que... avec la fin de l'épisode. Hop, je monte. Voilà. Je me mets là. Je vous montre. Et je vous dis salut à tous. Merci d'avoir regardé cet épisode. Et je vous dis à la prochaine.